بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bonjour à toutes et à tous. Le sermon de cette semaine était consacré à la sagesse et au fait de déceler parmi nous qui sont les gens de vérité par rapport aux gens des apparences ou de l'apparence. Dieu dit dans le Coran Ash-shaytanu ya'adukum al-faqr wa ya'murukum bil-fahsha. Le diable vous promet l'indigence et vous ordonne la turpitude. Wallahu ya'adukum maghfiratan minhu wa fadla. Et Dieu vous promet un pardon venant de lui wa fadla. Et une grâce, une faveur. Wallahu wasi'un 'alim, et Dieu est immense et vaste et omniscient. Yu'ti al-hikmata man yasha, il donne la sagesse à qui il veut. Wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kathira. Et celui à qui la sagesse est donnée a reçu un bien en abondance. وَمَا يَذَّكَرُوا إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ et seuls se rappellent ceux qui sont doués d'intelligence. En fait, ce passage, il faut le comprendre dans le contexte du thème des aumônes. Le diable nous empêche de donner des aumônes en nous faisant craindre la pauvreté, alors que Dieu nous promet de recevoir de lui un pardon, comme il est dit dans le Coran, une faveur, une grâce qui est immense, qui vient de lui, dans le sens que si l'on donne, en fait, on n'a pas à craindre la pauvreté. Et donc, voilà ce qui est dit. Ensuite, est rattaché à ce verset la question de la sagesse. Dieu donne la sagesse à qui il veut. Cela parce que la sagesse, c'est en fait une vue intérieure qui est donnée à l'être humain lorsqu'il comprend le sens réel des choses. Par exemple, si l'on considère le fait de donner, si quelqu'un donne une partie de son avoir, il est clair que matériellement, en comptant ses sous, eh bien il a perdu une partie de ses biens quand il a donné en aumône de l'argent à autrui. Mais celui qui regarde dans la profondeur, celui qui fait partie des gens de vérité, il sait très très bien qu'en fait il ne perd rien. Au contraire, Dieu va bénir le reste de son avoir sur terre déjà, et il va en recevoir une récompense considérable dans l'au-delà. Les gens qui ne se tiennent qu'aux apparences considèrent que lorsqu'ils sont agressés, lorsqu'ils sont en fait lésés, ils doivent se venger et rendre le mal pour le mal. Les gens de vérité comprennent au contraire qu'il faut faire preuve d'indulgence et rendre le bien pour le mal et faire en sorte de se maîtriser, de ne pas se mettre au niveau de vulgarité, de violence de la partie adverse en quelque sorte, mais au contraire se contenir et faire en sorte d'être indulgent, d'opposer à la violence le pardon. Les gens des apparences considèrent que pour se mettre en valeur, il faut qu'ils s'imposent en quelque sorte. Et avec orgueil qu'ils se mettent en avant, ils considèrent que leur prestige relève justement d'un positionnement où ils s'affichent comme étant supérieurs aux autres. Les gens de vérité, au contraire, recherchent l'humilité et le fait de tendre vers leur Créateur, de servir Dieu avant toute chose et puis de se mettre au service de leurs semblables avec humilité. Ils savent qu'en fait, cette attitude, c'est elle qui leur confère une dignité, une noblesse réelle. Tout ce que je viens de dire est compris dans une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Ma naqasat sadaqatun min mal » « Jamais une aumône n'a diminué un bien. »« Wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza » Et Dieu fait en sorte que celui qui se montre indulgent reçoit encore plus de considération. « Wa ma tawada'a » et nul ne se montre humble pour Dieu sans que Dieu ne l'élève.
Oui, comment notre prophète, en quelques mots, eh bien, nous livre une réalité qui consiste à comprendre que la vérité n'est pas dans les apparences, mais dans la profondeur. Il y a les yeux avec lesquels nous voyons les choses matériellement, et puis il y a les yeux du cœur, la profondeur spirituelle qui nous permet de déceler que le critère de vérité ne correspond pas nécessairement à ce que l'être humain peut concevoir de façon superficielle. Et ce sont trois paroles qui sont des paroles d'excellence qui nous convient les uns et les autres à demander à Dieu qu'il nous confère la sagesse, la compréhension, qu'il fasse que nous soyons de ceux qui donnent de façon constante les aumônes, l'aide au prochain, et puis qu'il fasse que nous soyons de ceux qui pardonnent et de ceux qui se montrent humbles dans leur comportement, d'abord et avant tout vis-à-vis de leur Créateur, et ensuite au service de leurs semblables, avec simplicité, avec vérité. Que Dieu fasse que nous soyons de ceux-là. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.